mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Bonjour. Vous aurez compris, le premier wow, c'est bien sûr le fameux match Belgique-Japon qui s'est déroulé il y a quelques jours. Et je peux vous dire que j'ai mangé tous mes doigts et tous mes ongles, tout ce que vous voulez, tellement qu'ils m'ont fait stresser. J'ai aussi hurlé de plaisir, bien sûr. Et franchement, bravo, parce que là, ça a été un moment ultra fort. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu un moment aussi fort. Et voilà, je remercie l'équipe belge de nous faire vivre des moments comme ça. Donc c'est mon premier wow du mois de juin. Mon deuxième wow est ceci. On va passer carrément en version culinaire. C'est une confiture que j'ai découvert suite à un reportage à la télévision. Il présentait la marque Confiture Parisienne. Donc ça se passe à Paris, sur les toits de, je ne sais plus, d'un hôtel ou d'un restaurant, je ne sais plus. Ils cultivent en fait leurs fruits, leurs légumes, et avec leur production, eh bien, ils réalisent des confitures, etc. Peut-être que vous allez me dire bonjour la pollution, mais enfin quand on regarde la pollution par chez nous, tout ce qu'ils mettent comme pesticides, ce sera peut-être quand même pas mieux non plus. Donc voilà, en tout cas moi j'ai été conquise, et surtout donc pour ce packaging, je sais pas si vous connaissez la marque Cézanne. C'est une marque de vêtements hyper Instagram, on va dire. Moi j'ai découvert cette marque par Instagram, et donc il y a eu une petite collaboration avec les confitures parisiennes. Donc j'ai choisi framboise fleurie, et je peux vous dire, je vais vous montrer l'intérieur, voici. Je peux vous dire que je ne l'ai pas mangé, cette confiture, parce qu'il y en a déjà plus. Je l'ai dévorée, mais carrément. Je crois que ça fait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines que je l'ai, et franchement c'est un pur bonheur. Alors, elle n'est pas donnée, cette confiture, parce qu'elle coûte 14 euros, mais ce que j'ai adoré, c'est que c'est une confiture version un peu coulis. Donc je l'ai adoré en mettre dans mon fromage blanc, donc c'est ça que c'est vite parti, ou même sur une tartine, mais franchement c'est un pur délice. Vous avez des parfums, des saveurs complètement différents. J'en ai acheté un deuxième, c'est au citron noir. Donc voilà, j'allais regarder ce que c'était le citron noir, hein. Je ne sais même plus. Je crois que c'est à la manière dont on le fait sécher, et que au soleil, et qu'il devient noir, enfin voilà. Et franchement, j'adore. Alors, attention, donc si vous commandez sur ce site, que je vous mettrai en lien en barre d'infos, sachez que si vous êtes française, tant mieux pour vous. Par contre, si vous habitez la Belgique, les frais de port sont hyper carabinés, hein. Franchement, je pense qu'ils sont aux alentours d'une bonne douzaine d'euros, voire plus. Donc heureusement, comme j'ai de la famille en France, moi j'ai fait livrer là, donc comme ça, les frais de port en fait étaient gratuits. Donc il y a vraiment une grande différence entre la France et la Belgique. Mais ça vaut vraiment le coup, et je suis sûre que je vais repasser commande, parce que je les adore. Un autre ouais pour un parfum que je connais depuis déjà des années, que j'ai recommandé, c'est Ensoleille-moi de Gas, qui sent en fait extrêmement bon pour l'été, les vacances, puisque ça sent le monoï, le tiare, la vanille, tous les parfums, toutes ces odeurs que moi j'affectionne particulièrement quand c'est la saison de l'été. Donc vous le retrouverez sur le site de Gas, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est en format ici eau de parfum. Avant il existait en eau de toilette, moi je l'ai acheté en eau de toilette, qui coûtait moins cher. Malheureusement il n'existe plus qu'en eau de parfum. Je pense qu'il revient aux alentours de 70 euros, mais j'arrive à tenir au moins 2 années, puisque j'aime bien l'utiliser quand il fait très beau, en faisant attention, bien sûr. Je vous rappelle que le soleil et les parfums font pas bon ménage, puisqu'ils peuvent vous procréer, créer des taches, donc il faut faire attention. Donc moi j'en vaporise sur les vêtements par exemple, vous pouvez aussi en mettre dans les cheveux. Et voilà, donc si vous aimez ce genre de parfum, je vous recommande, parce que c'est assez particulier, et c'est ce que j'aime bien en fait. De chez Rituals, j'ai acheté ça il y a peut-être un bon mois, et donc je voulais utiliser et essayer un nouveau déodorant de la marque donc Rituals. C'est The Ritual of Happy Buddha, donc c'est un spray qui sent un peu l'orange,
Et je, voilà, je, moi j'étais très contente de mes déodorants que j'avais actuellement, mais bon, je voulais quand même tester et j'en suis hyper contente. Voilà, c'est hyper efficace. Ça sent très bon et ça dure un bout de temps, hein, je veux dire, l'odeur sous les bras, donc c'est génial quand on va faire du sport par exemple. On a envie d'être sûr de soi et c'est le cas, donc je vous recommande, surtout si vous aimez bien cette gamme, hein, parce que voilà, moi j'ai la gamme complète avec le gommage, le crème-corps, le gel douche, et bien pour compléter cette gamme, et si vous aimez bien la gamme Rituals, eh bien je peux vous assurer que c'est un bon gros waouh, puisque il est efficace et en plus il sent bon, donc voilà. Un autre waouh, ce sont le maquillage que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, au mois de juin, que j'adore. Ce sont les petits monophares comme ça de chez Colourpop, que j'ai acheté sur le site, et j'en suis vraiment extrêmement fan, notamment parce que les couleurs proposées sont vraiment ultra jolies. Donc c'est le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui avec, voilà, avec les fards, je vous les présente. Par contre, j'ai envie de dire, le petit regret, c'est que malheureusement pour les avoir chez nous, ben, les frais de douane ça pique. Du coup, ben, il faut faire la même chose que ce qu'on fait. Eh bien, on s'associe à un groupe et on se partage les frais de douane. Comme ça, ben, ça allège un petit peu la facture. Surtout que, eh bien, encore une fois, Colourpop avait fait des promos. Je sais plus, je crois que c'était de acheter un gratuit, un truc comme ça. Donc déjà, en sachant que les fards sont vraiment pas chers, peut-être aux alentours de 6$, enfin c'est vraiment pas cher du tout, donc on en avait en plus un gratuit dès qu'on en a acheté 3, donc franchement ça valait le coup. Comme je vous dis, les frais de port, ça c'est moins chouette. Je vous mets donc, pareil, en barre d'infos, le lien d'un groupe sur Facebook que je vous recommande. La fille qui s'en occupe, c'est Dounia. Vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Elle vous renvoie bien les colis. Elle vous donne toutes les informations en ce qui concerne la réception, etc. C'est vraiment quelqu'un de confiance. J'ai déjà fait pas mal de commandes avec elle. Et voilà, je vous recommande. Donc, si vous êtes intéressé par cette marque, vous avez envie de tester des fards, je vous dis, pas trop cher et de très très bonne qualité avec un choix, mais énorme, il y a vraiment un choix énorme, et eh bien allez-y. Donc le lien se trouve en dessous. Et je profite pour vous dire aussi que n'oubliez pas qu'à côté, là en dessous de la vidéo, il est marqué s'abonner si ce n'est pas fait et de liker la vidéo si jamais je vous ai apporté des petites informations que vous ne connaissiez pas. On passe maintenant à deux waouh films et séries. Je suis allée voir à la Ladies Night, donc tout début juin, le film The Book Club, qui raconte donc l'histoire de quatre amis d'un certain âge, entre 60 et 70 ans, qui elles ont organisé une rencontre autour de livres, donc chaque mois ou chaque semaine elles se rencontrent pour voilà, se partager des livres, et le livre qu'une d'entre elles choisit est le fameux 50 nuances de Grey, qui va carrément bouleverser leur vie. Alors ce film est hyper attachant, c'est très 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 marrant. Moi j'ai vraiment bien aimé le fait que ce soit justement des femmes d'un certain âge, que ce soit pas toujours voilà, des jeunes, etc. Je trouvais que c'était très très bien de mettre aussi en avant voilà, j'ai envie de dire entre guillemets, la sexualité aussi des femmes plus âgées. Jane Fonda, franchement, mais waouh, quelle silhouette, quel sexisme, qu'est-ce qu'elle dégage encore aller avec son âge. Franchement, c'est super. C'est super positif. Je sais pas, ce film, j'ai trouvé, voilà, comme je vous ai dit, très très marrant. À côté de ça, ça nous fait penser un petit peu, on va dire, voilà, à l'esprit Desperate Housewives. Vous savez, les quatre amis sans le meurtre, quand même. Et voilà. Donc, vous avez par exemple une femme qui est mariée depuis longtemps, qui a envie de rebooster un petit peu sa libido avec son mari. Une femme qui ne veut pas s'investir, en tout cas dans le mariage, etc. Elle préfère, voilà, brûler la vie comme ça et s'amuser. Une autre qui s'est consacrée beaucoup à son travail et qui va essayer les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Donc c'est assez marrant, franchement on a bien rigolé. Si vous avez envie de passer un bon moment, de vous divertir, eh bien c'est le genre de film qu'il faut voir. Petite
série que nous avons commencé, pas terminée, puisqu'il y a 3 saisons, mais seulement 2 saisons disponibles sur Netflix, c'est la série 3% qui était sortie déjà un petit bout de temps. Donc on n'avait pas encore mis la main ou l'œil dessus. Ça raconte en fait l'histoire d'une société dans laquelle il y a les riches 3%. Et tout le reste, les pauvres. Et les riches, chaque année, enfin on nous dit pas trop, mais enfin ils organisent comme un jeu des défis pour que permettre à la population qui a été choisie d'essayer d'intégrer ces 3%. Voilà. Donc ça nous fait penser un petit peu à l'histoire d'Hunger Games, hein, voilà, aussi, des jeunes sont choisis pour... Sauf que là, c'est pas 3%, il y en a qu'un. et donc c'était une série très attachante, on est vite attaché quand même par les personnages qui jouent très bien, qui ont des personnalités complètement différentes. Ce que moi j'ai bien aimé, bien sûr, ce sont les défis que doivent réaliser les personnes. Ce ne sont pas des défis spécialement physiques, hein. Vous avez des défis parfois de logique, et beaucoup sur la personnalité et le relationnel, jusqu'où vous seriez prêt pour... Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Une série très courte qui s'avale vraiment rapidement. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 saisons sur Netflix et nous n'avons pas encore commencé la 2e saison. Donc voilà, ce n'est pas un grand waouh, mais ça reste quand même une bonne série. Un dernier waouh à vous présenter, c'est une crème dépilatoire spéciale aisselle et maillot. Parce qu'avec les vacances, eh bien, il va falloir peut-être se mettre en maillot de bain. Et donc, c'est de la marque Laurence Dumont. Ce que j'adore, c'est qu'il est sans parabènes, sans allergènes, sans colorants. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, il respecte les peaux sensibles. Il est à l'huile de rose musquée et c'est efficace au bout de 5 minutes. Alors, ce que j'ai bien aimé, donc déjà, pour toutes les propriétés, donc ça, c'est génial. Au moins, je sais que je ne mets pas trop de cochonneries sous les bras. Ce que j'ai aimé en fait, c'est l'applicateur avec donc, vous savez, voilà, une petite spatule comme ça, un peu en plastique. Il suffit d'appuyer, enfin de tourner, d'appuyer, la crème sort ici. Vous n'avez plus qu'à mettre en dessous des bras ou là où vous voulez, laisser agir 5 minutes. Ensuite, vous retournez le petit bouchon et vous pouvez donc ramasser la crème sous les bras et ou bien ensuite bien rincer. Et parfois, moi, avec juste un gant de toilette, je refrotte bien et ça part tout seul. Donc, la tenue, c'est nettement mieux qu'un rasoir, hein, parce que franchement, le rasoir... Là, on en a un petit peu marre du rasoir. Donc, ça marche très bien et franchement très efficace. Vraiment impeccable. Je vous la recommande. C'est, je trouve, hyper pratique le bouchon comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé chez Dee. Si jamais je l'ai pour mettre en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos. Alors, on va passer à un seul bof. Et c'est ceci. C'est le spa duo non pétillant, le citron-gingembre. On nous dit basse calorie, 100% d'origine naturelle. Et en fait, je m'attendais à quelque chose de pas trop sucré. Et en fait, c'est hyper sucré. Donc, c'est la première chose. Donc, c'est pas tellement rafraîchissant. Et le petit côté citron-gingembre, ce sont 2 choses que j'adore. Et bien, voilà, je trouve qu'ici, ça nous donne un arrière-goût un peu spécial. Et voilà, j'ai pas spécialement aimé. Et comme je vous disais, je m'attendais à quelque chose de pas trop sucré. Et là... c'est sucré. Donc à l'odeur, on sent bien le côté citronné, on sent l'arrière en fait. Vous savez, c'est ça qui me dérange un peu, c'est l'arrière-goût en bouche du gingembre. Je vais le retester devant vous. Voilà, ça fait... C'est hyper sucré, vous savez, à mon avis, il doit y avoir de l'édulcorant dedans. Ça fait pas du tout naturel. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Enfin, on va terminer par un beurk. J'ai quand même un beurk non matériel. C'est une aventure qui m'est arrivée au mois de juin. Comme d'habitude, je m'en vais faire mes petites courses à Auchan V2. Pas mes petites courses, non, c'est souvent mes grosses courses, hein, parce que j'accumule pour être tranquille entre 15 jours et 3 semaines. Donc des grosses courses, notamment avec le cadeau pour la fête des papas dedans. Et en arrivant à la caisse, eh bien, ma carte belge n'a pas fonctionné. Donc là, on se trouve un petit peu con en se disant... on va essayer une autre carte, mais elle passe pas. Ah, on va essayer une 3e carte.
Non, je suis sûre que j'ai des sous, hein, elle passe pas. Donc là, on se dit, voilà, les gens doivent se dire, la fille, elle fait des grosses courses, elle a pas de sous, mais si, si. Donc du coup, je laisse mon caddie sur le côté. La dame, la caissière me dit, bah écoutez, c'est déjà arrivé, bah allez voir si vous savez pas retirer les sous directement au distributeur. Donc je vais au distributeur, et là, pareil, impossible de retirer les sous. Et là, je me dis, purée, je viens de passer 2 heures à faire mes courses, mon caddie m'attend, et je vais pas pouvoir revenir avec. Ça, c'est l'horreur. Donc j'appelle la banque, etc. La banque me dit, mais non, vous avez mis des sous, il n'y a pas de souci, vous pouvez payer votre caddie. Et donc je reviens, donc tout ça, ça fait au moins 1 heure, hein. Donc ils ont mis mon caddie au frais, donc merci au champ. Une caissière formidable, franchement super, très marrante, vraiment géniale. Et donc du coup, je lui dis, bah je ne sais pas payer non plus. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû appeler mes parents, heureusement, qui habitent à un quart d'heure, 1 minute de Auchan V2. Ils ont dû venir se déplacer pour payer mes courses. Oui, les parents qui payent encore les courses à sa fille de 43 ans. Sauf que là, du coup, bah, mon papa, il a vu son cadeau de fête des pères en avance. Donc bon, tant pis. Donc voilà, donc c'est juste le beurre, c'est se dire qu'on fait confiance, hein, voilà, les yeux fermés à nos cartes et à tous nos moyens de paiement. Et finalement, quand on se retrouve comme ça, eh bien, on est vraiment bien, bien démunis. Et heureusement, donc ça c'est un grand waouh, heureusement qu'on a encore des gens sur qui compter, surtout à mes parents. D'ailleurs, je vous fais des gros gros bisous, papa, belle maman. Merci encore de vous être déplacés, d'avoir avancé l'argent pour que je puisse manger. Voilà, bah cette vidéo est terminée. Bon, j'ai peut-être fait du montage, du découpage. Là, je vous ai oublié de vous présenter un autre burk. J'avais un autre burk, donc avant de passer à la conclusion, ce sont les bandes de cire froide Mayo Lua, aussi par Laurence Dumont, donc c'est pourtant la même marque. Et bah, je n'aime pas du tout, je trouve pas ça efficace du tout. Donc ce sont des petites bandes, voilà, que vous faites chauffer entre vos mains. Et ensuite vous venez appliquer dans le sens inverse, non pas inverse, dans le bon sens du poil. Puis vous tirez d'un coup sec à l'envers. Donc 1, ça fait mal, et 2, c'est pas efficace. Donc voilà, donc ça sert à rien de se faire mal si ça marche pas, hein. Donc voilà, donc un peu déçu, bien dommage, parce que je me suis dit, bah, c'était une autre technique pour voilà, s'épiler le maillot pour porter un maillot de bain, hein, parce que je me vois pas porter, vous savez, les gros boxeurs. Donc voilà, bien dommage, donc ceci, moi je vous recommande pas, et c'est un gros burk. Bon, maintenant je vous laisse la conclusion. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors petite nota bene, la fille qui n'importe quoi, le mois de mai, vous avez dit que c'était les Wab of Birth de juin, elle était un mois à l'avance. Ce sont bien ceux-là, les Wab of Birth du mois de juin. Et on se retrouve pour cette rubrique, ben, début août. Kiss kiss.